très très joli clip, qu'on se le dise, encore une fois félicitations. Merci. Donc on sent vraiment une touche très professionnelle. Mais sincèrement, la première fois que j'avais écouté la chanson, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait des morceaux de Beyoncé. Ah bon? Ouais, j'avais comme l'impression que non. Quelle idée, quels sont les mobiles qui vous ont poussé à choisir la chanson et puis de faire de ça, je dirais, dans un style. Bon, ça a quitté un peu la rumba congolaise pour donner ça une touche un peu zouk. Il y a des gens derrière ou c'est Lorette. Bon, ce qui est sûr, c'est que comme vous dites là, je travaille vraiment avec une équipe des pros. Donc, comme vous venez de dire, vous connaissez Brand Touch et tout. Donc, ensemble avec mon équipe, on a essayé de faire un truc. On a essayé de penser un peu à revisiter d'anciens succès et tout. Alors, on m'a demandé, mais qui tu veux? Donc, j'ai dit, bon, je préfère que ce soit maman Biliabel. Parce qu'elle, elle est vivante. Vous savez, auparavant, j'ai fait dans mes concerts, j'ai fait des titres comme. Chéri Badé de Abeti Masikini, Maman Abeti Masikini. J'ai fait aussi Bakake de Pongolov. Donc je me suis dit, ça serait encore plus intéressant de faire un remix d'une chanson de Maman Biabel parce que elle est encore en vie. Alors Vous êtes fan? J'avais besoin de sa réaction parce que généralement, on rend hommage quand quelqu'un n'est plus. Donc, dès son vivant, moi je voulais vraiment faire un truc, quoi, marquer déjà un Et sa truc. réaction, c'était laquelle? Ouais, déjà comme elle est là, je lui fais un petit coucou et merci beaucoup à Maman Bilabel. Elle était vraiment émerveillée, donc elle était très contente parce que c'est la première personne que j'ai appelée quand on a eu le master en studio. Et je l'ai appelée, j'ai dit j'ai ton CD, faut que je te remette ton CD. Elle fait ouais, mais je. Ok. Et après, quand elle a écouté, elle m'a. En fait, je l'ai appelée, elle fait oui, mais je viens d'écouter ça à la radio, mais franchement, non, 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 c'est trop bien, vraiment, faut aller de l'avant et tout. Et toi, elle était très contente. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de voir une personne dès son vivant réagir, quoi, parce que généralement, on se dit, ah, ce qui n'a pas qui. Mais malheureusement, par exemple, je rends hommage pour Papa Taboulaye, malheureusement, j'aurais bien voulu aussi C'est lui sa qui a écrit la réaction. chanson, oui. Oui, mais bon, déjà avec Maman Biabel, ça a été vraiment un grand plaisir pour moi. Voilà, c'est aussi un grand plaisir, je dirais même un vrai régal pour nous pardon, qui avons suivi la chanson. Donc, c'est vraiment chose. J'ai comme l'impression que vous avez une carrière à dents de scie. Au bout du bisou et faux perso. À un moment donné, il y a un silence total par après où vous réapparaissez. Qu'est-ce qui se passe? Vous manquez quelqu'un derrière vous. Maintenant, là, vous avez quelqu'un qui vous booste. Et tout ça, pour quelle raison? Bon, en tout cas, déjà, je te dirais, Nathalie Le Collet, artiste Azam Tumokaba Caprice et Belé. Moi, je sais que la musique est vraiment dans mon sang. Et quand je me sens pas bien, quand je suis choquée de quelque chose ou quoi, je prends mes reculs. Vraiment, à niveau Oyo, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu trop de décès, quoi, à niveau famille, en succession. Donc, j'avais vraiment besoin de beaucoup de. J'étais effondrée, j'étais affalée. Donc, j'avais vraiment besoin d'un moins reculement, boyer, et tout le temps que je me remette. Et là, je pense que c'est bon, on a beau sani, bah, souci, en gros, parce qu'il y a eu trop de décès, la nana qui tout le temps à niveau famille, Donc, ce qui fait que. Maintenant, là, Nazuin à reprendre force et voilà. Et Voilà, maintenant, on non, qu'elle est sautée. interrompt pour comme vous Voilà, figurez. Donc, bientôt, ouais. donc déjà, Otobenga, c'est un single qui présage déjà la venue d'un album. Qu'est-ce qui se passe autour de tout ça? Bon, voilà, il y a un album en vue, mais Brand Touch a la façon d'un travailler, parce qu'il y a travaillé vraiment à l'américaine, donc c'est-à-dire. Donc tous les mois déjà, donc au maximum chaque 3 mois, il faut déjà obéir locaux, bah, single et tout. Et donc, on va vraiment aligner bah, single. Et après, quand on va atteindre un bon nombre bah, single et accrocher dans le public, et c'est là qu'on va leur donner un album. Donc déjà là, en parlant de ça, parce que comme Love Story des Jesoleka, nous avons préparé déjà prochain single Terminus. Bon, en parlant de Love Story aussi, je voulais quand même, parce que tout le monde comprend, que après, parce que le Brand Touch n'a pas signé avec Brand Touch, bah, signé n'a pas longtemps, et je dirais que c'est vraiment un exploit, parce que Love Story, le titre est sur Ezolika, et ça est quotidien un smash hit sur Trust TV, donc et ça 7e dans les hits 10.
Donc Nazar vraiment liboso aime sous ba flavor ba te belé belé bana simanga. Donc c'est vraiment exploit makasi. Donc tozo représenté car pour moi on va la nominer même la Cora. Voilà. Ouais. Là à l'instant là il y a mon label qui vient de m'apprendre ça que clip est nominé, je suis nominée la Cora meilleure artiste féminine pour l'Afrique centrale, meilleur clip de l'Afrique centrale. Donc vraiment ils ont meilleure voix féminine aussi. Ils ont appelé la grosse tête. Non, franchement, voilà. Mais au cours réagir dernier par rapport à il y a une réflexion de Koffi Olomide qui vous a cité nommément. Abi, ils ont film sous. Ils ont zang appelé tant soit zana Koffi Olomide naé. Abi batroka ba Laurette la perle. Elle chante merveilleusement bien. Et ça qu'a été qu'azara pume nanga. Mais nazo tala na musika azo yemba en tout cas kitoko mais soka za ina tonton moko sima na ye eko za la pe bien il faut moi tonton moko et ça lui souffrait bien quoi. Ah bon hein? Non mais bon justement en fait déjà na PCM beauté hein, parce que on l'appelle maintenant le général Chico Strelash. Ah bon? Donc na PCM beauté Sikazali bon voilà. Ils ont rompu ma bête parce que bon, grand touch pas qu'on a moi tonton mon équipe, on a dit, bah, on a moi tonton mon beau. Pourquoi seulement tonton sur le plan professionnel ou le personnel? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, on ne mélange pas les personnels et les professionnels. Non, tonton, on a fait qu'à été, bon, équipe, n'a pas comme des deux abos. N'a pas de musiciens, n'a donc bon, bah, bête, là, si ma cause a fait pas tonton, on a donc, bah, c'est bien. Donc, pour dire que. Qui peut mon pas à cause après qu'à tonton en a dit donc tonton les a raté fouillé m'a peut-être dans ma conseil et tout et mon quoi et bi donc les a et faut personne c'est vraiment les souhaits de nous tous c'est à dire que c'est bien on dit toujours que non derrière un grand homme il y a toujours une grande dame à côté mais l'inverse aussi et ça la vie se bien donc derrière une grande dame qui est un grand monsieur donc juste pour essayer de booster les choses de quoi il faudra qu'on surveille, qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui ne va pas aller. Et bien heureusement, on nous a l'habitude. Bah, justement, tu sais, je vais te dire un truc. Des fois, les gens, bah, comme ça, que non. Tout ça, moi, de la femme, non ouais. Pourquoi seulement quand c'est une femme qu'il faut que bah, bon, moi, t'entends moins à Pimbé. Donc, c'est-à-dire que nous, les femmes, on est incapables. Non, c'est en connaissance des causes. C'est-à-dire, si on a eu Maman Mbilia. Non, mais on a passé par exactement exception, parce qu'on a vu Maman Mbilia. Na carrière na est sur Simba qui est pour faire tabouler à Zakiwana. Sur tout le monde, Gérard Kouesson aux côtés de la tigresse de la musique congolaise Abeti Masikini, qui était son mari et manager. Azala qui manager na ou producteur na est, mais ils ont quitté qu'elle chantait dans le groupe Moroboui. Donc ça dépend. Donc, je suis par groupe. Bon, en fait, il faut personner le bac. Et le bac vraiment m'embêter, quoi. C'est pas vraiment toujours parce que nous la biminga mon comé. Et le bac vraiment m'embêter, même dans le sens que, même et ça, le sang n'a zopé ça, même dans les jeunes comme moi. Et cause là, comme je dis, là, maman bateka mapa, balam kanatongo, bon, on peut pas ça, il faut personne. Donc, c'est vraiment dans la société, quoi. C'est un peu un truc que je prends. Bah, tout bas ça la comme gai quoi au fait voilà. Voilà donc merci Oyel Bisso bana mainayo tout bien comme ma musicien c'est donc bon Laurette la perle et sa bande donc tous ont des moyens donc toko yo ka quelque chose oui bon, justement Ozaki vraiment exclusivité dans 4e émission là, yo. Merci beaucoup, ouais j'adore les exclusivités. Vraiment exclusivité donc nulle part ailleurs parce que Eza d'un qui n'a pèse ça déjà moi avant vous il y a titre nazo Ozo Landa Love Story titre nazo Terminus et qui est vraiment émerveillé par la voix le bilan c'est pas mal c'est vraiment une bonne chose. Merci. Je salue tous les amis qui nous suivent depuis London donc Eddie Langa WhatsApp man. Donc salut Nayo, donc tu peux si mouté Alfonso Tango, donc tout le biso na London. Donc, merci donc à Franck Akil, merci aussi à Johnson Keto, je n'oublie pas Gervais Katende. Vous êtes nombreux à nous suivre donc de ces côtés-là. En tout cas, nous sommes Bassepeli. Mais si vous voulez avoir le clip de Love Story, donc allez sur YouTube, vous pouvez toutefois télécharger aisément. Donc c'est la technologie actuelle, on ne peut rien. À Luanda, vous nous suivez. Je salue donc Chico Mondele. Total respect à Caillou Nzalambila, Papi Matalatala Matos. Je ne t'ai pas oublié. Mais oh, Chico Tourzouango, quand bon, au moment où je vous dis, c'est
tout cas, d'ici fin du mois, début mai, déjà, tous. Déjà clippé, déjà. Donc, mieux soir, parce que déjà, nous avons préparé en haut. Tous les voyages, l'équipe, nous avons tout brasé, tout ça, bah, clip, marambo, bélé, bélé et tout. Mais déjà, il faut dire que la clip à Love Store, c'est osé. Il y a des parties assez osées. Voilà, vous avez dit qu'on va figurer, en tout cas, c'est naturel, hein, tu sais. On a forcé dans les lotés, quoi. C'est naturel. Est-ce que vous voulez faire la musique congolaise aux Orbanes, la place, il y a une crainte quelque part? Ah non, il n'y a pas de crainte, mais je sais que dans un place, mais bon, après, c'est le public qui juge. Mais ça m'a toujours fait plaisir pendant que Nazaki n'a pas état d'esprit, n'a pas moment de tristesse. Et ça qui, en tout cas, quelque part, et nous, ça a plaisir dans ce cas et que j'étais encore là, ça, quand je suis sur les canaux télé, ça me faisait plaisir que mon accueil, je suis toujours comme Lorette Lapère. Donc ça veut dire que je suis déjà ancrée dans Kati, déjà maquillée à Congolais. Quoi. Donc ça, c'est, ça m'a toujours fait un plaisir. Et le titre de l'album qui va venir après la série des singles, ça sera, c'est quel nom? Et puis, vous comptez le larguer quand? Bon, jusque-là, la bonne vie dans le combo album. Ouais. Mais je pense qu'au moment opportun, tout pour annoncer la vie soit mot. Est-ce qu'il y a des feats aussi avec des gens? Oui, bien sûr, il y a des feats parce que déjà, mon premier feat, parce que dans le mois d'avril, déjà, Nazo qui est des Togo pour une série de concerts aussi. Et je vais en profiter dans sa feat Nabatoufan. Au Bazapé produit à Brand Touch, la belle Nanga. Donc voilà. Et... Bah, tout fin, c'est trop dansant. Bah, oui, justement. Donc, c'est justement pour danser, quoi. Parce que Nangina. Robin Apezal. Bah ouais. Ah. Ça va trop tard là-bas. C'est trop binette. Mais on a un appel à l'enquête, Toto. C'est trop bien, vraiment. Parce que tu sais, danser, c'est vraiment la maquilla, quoi. Tobin, hein, parce que bon, bah, t'as mis bah, style un peu club et tout. Donc, comme on appelle la Kanaza, on a Yoman, Yakala, bah, Yupia, comme on dit. Donc, Tobin, hein. Lorette Lapère, pour vous qui venez d'allumer vos postes de téléviseur, donc la relève de la musique congolaise, Isaac Kazala, on a Pona Lobango. Donc, une voix assurée. Donc, il y a musique Nabiso. Je ne dis pas que non, Mikolo Bakei. Mikolo Bazo surveille le pang, Bazo Bimisabana. Donc, Bango. Alors nous qui sommes chroniqueurs de musique, nous avons obligé donc nous avons un œil très regardant vis-à-vis de la jeune génération. C'est toujours comme ça, toi, moi, hein, puis né à Yamotuka. Donc Ozagi Nicolo, Ornière Ozagi Nicolo et Kiti Moussousse Bakisami, Karandengwana. C'est de l'ainsi et va la vie. Lorette Lapère, je vous le recommande vivement à travers Love Story. Donc histoire, il y a Bolingo. Non, combien de Nzembo? Nzembo, comme j'ai dit, Ezabeyanga. Oui, mais donc, la partie off, c'est on a un sari. Oui, justement, dans Baksaka, en fait, tu as vu Beyanga, quand tu as français, tu as commis une histoire, mais où ils ont connu Beyanga. Parce qu'ils ont quand même le clip, parce que Beyanga et le Bara, ils ont mon bal, moi, qui vraiment mon boulot. Alors, maman Bilabel, à l'attaque, il y a moi, si on a abandonné Beyanga. C'était parmi mes bal, il y a Beyanga. Histoire et un donc maman Bilabet c'était comme la plus jeune à Bassinéen, donc pour moi, un peu dans le clip maman Balio Sombaza, maman Kalunga, la piste maman beauté Azawana, donc moi c'était un peu la toute jeune quoi, ouais, qui est dans un village dans Mboka pour Abala. Donc au début c'est un peu très compliqué, mais bon après la fille finalement elle est tombée amoureuse, il y a le vieux papa wana Ndouba, mais il y a mon boulot quoi. Donc voilà, et tout ce histoire wana mais tout sali en auto modernisé en gros, et voilà on a fait un scénario dessus et voilà. Donc, voilà donc déjà on a habité ce qui, comment on l'appelle déjà, donc le fait d'écrire comment on dit, il y a un terme technique, il y a cinéma par rapport il y a pas scénario, j'ai oublié, ça va venir. Non, pas ça. Donc, storyboard, je ne sais pas, c'est le mot en anglais. Donc, on a habité le monde, on a commis tout ça, on a pris un touch, on a pris un esprit, on a pris un clip, photo, ça a boyé, on a pris un boyé. Bon, déjà. Bon, déjà, on avait pas eu. On n'a pas fait grand chose parce que déjà, comme je dis, ils ont remis, mais Dubaki, Saki. Moi, je travaille toujours avec mon équipe. J'aime toujours vraiment travailler à l'équipe parce que peut-être que moi, je peux me tromper. Et tous en équipe, Nanga, et puis nous, quoi. Donc, ensemble avec mon équipe, avec Brand Touch, tout ça qui.
Makambwana, bon, lui, c'est le grand réalisateur actuellement parce que c'est vraiment l'un des meilleurs en ce moment. Donc, Bruno, une réalisation à clip Wana, on avait Nga Semsa, Nangana Embi, et puis Toté Maboko, bon, on peut passer Semsa, la première réalisation et tout. Voilà, est-ce qu'il y a un message de Laurette La Perle à l'endroit de Baltine surtout on a monté des équipes, ils ont dit, le solo, Bengio. En Angola, aux apprêts, au Beta, au Bengio, au Gabon, au Beta. Bah déjà, parce que comme je t'ai dit, dans avril, non, qui n'est déjà pas pour un concert, on a bien déjà un concert à Togo en avril, et pour une série de concerts, concerts bon côté, et puis dans le mois de juillet, Nazo qui est à Abidjan, toujours pour des concerts, et dans le mois d'août, qui est Guinée équatoriale, toujours pour un concert. Donc je suis maintenant open pour les concerts. Donc bah non bah comme ça parce que Marambobele bah pub bah, et tout bah parce que actuellement non ça l'a déjà pub il y a Nakota raté hein mais tout ça déjà là ni ni moi quoi ma casse il y a télé il y a bah téléphone bah donc tout ça déjà tout ça déjà un contrat à publicité déjà pour ça. Donc non en fait ça juste numéro dans un contact parce que actualité ma casse ça on a eu bah moi c'est ailleurs bah zora numéro dans esprit ma bé. Bon ben là kaka pour la makama musala. Hein, appelé ça numéro comme ça, tout à la bande de base. Non, appelé ça numéro à contact, surtout Isaac, tous ceux qui ont enregistré une démo, tout est terminus. Donc, pour la dédicace et tout, donc nous avons orienté parce que Isaac bah, demande Isaac et Bélé, mais vraiment, Bobing a un numéro, au numéro, nous sommes sous Théo, non, appelé ça, donc c'est ça le numéro 081 878 87. Donc je recommence 081 878 87. Donc babing un numéro Anna, babingi bah dédicace, les concerts et tout, on est là voilà. Voilà même pour les dédicaces donc webeke kofi lomida lingate bon moi s'il y a bois kaka bamba la mibali. Ah bon? On a bien, on a pratique. Ah bon? Pourquoi? Parce que justement, pourquoi pas moi la moitié? Non, c'est pas ça. Mais quand, moi, ça me choque quand on dit pourquoi pas moi la moitié. Ça me choque. C'est le. Il y a live, ici. Bah non, on va répéter un autre. Non, non, tout ça. Voilà, je vous laisse les studios, donc vous pouvez ça va venir surtout. On a dit que félicitations à Bino Zara pour n'avoir qu'à Bino en retour. Oh non, féliciter Laurette La Perle, donc. Il y a des crises business, donc des crises KBA qui nous suivent. Donc, je salue aussi, j'ai dit bon retour à Salomon Bimancha qui nous revient donc d'Istanbul, qui nous suit. C'est donc un grand plaisir. Merci encore une fois à GMM, Grévi Foutila Matita, Liebo, Zolamboa. Merci donc à la Bogartina Poche, Laurent Sokoko, Sokoko Yaba Laurent, Papi Matalatala Matos et Kayun Zalambila. On y va. Basi, Ozaraki solo champion, tango yozali komikosa, mokili tango échangé, bambanda nanga nyoso bafandeli yo pona mbongo na yo, bango nyoso balo bakamabe pona kombo na yo.